What it do, Butler crew? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec la famille Butler. Tim, il faut que tu expliques qu'est-ce que ça veut dire la phrase que qu'on dit à toute la famille. What it do, Butler crew? Tu devrais l'écrire en dessous de la vidéo, là. Ouais, ben je le faisais avant, mais pour vous expliquer, what it do, ça veut dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va. C'est comme un slang, on peut dire, en anglais. Puis, Butler Crew, mais Butler Crew, c'est vous. Tout le monde qui nous regarde, tous nos beaux abonnés, vous faites partie de le Butler Crew. Parce que avant Tim et Kim, Kim et Tim, excuse, notre chaîne YouTube s'appelait The Butler Family. Notre nom de famille, c'est Butler. C'est Butler. So, on voulait trouver quelque chose qu'on dit à chaque début de vlog. Puis pour que les abonnés vous reconnaissent, un peu comme les Vadrouilleurs, Salut les Bandits. Ouais. Mais nous, depuis le début, depuis qu'on a commencé notre page YouTube en 2021, on avait appelé nos abonnés The Butler Crew. Donc un crew, c'est une gang. Une gang, exactement. Ça. So, vous faites partie de la gang des Butlers. Exact. Le Butler Crew, ça rime avec What It Do, exact. Butler Crew. Puis on a le droit de le faire en anglais, là. On est quand même une famille bilingue. Il y a de l'anglais à la maison, fait qu'on se permet. Oui. Puis en même temps, ça vous aide à comprendre plus. Ça va, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en va faire aujourd'hui? On s'en va dans un party, un souper de Noël avec le papa, Hakim, avec Lise, sa blonde, le frère, puis la blonde à Kim. Ben, le frère à Kim. Mon frère et sa blonde, ainsi que ses deux petits garçons. Les petits neveux. Puis ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas passé un Noël avec eux. Alors, oui, c'est depuis qu'on a quitté le Québec. Alors là, ça va être un Noël spécial. On le fête plus tôt parce qu'on devait quitter. On pensait qu'on allait quitter pour. C'est le Québec avant Noël, là, dans le fond. Étant donné qu'on reste finalement, bien, on le fait quand même à cette date-là parce qu'on l'avait prévu déjà dans l'agenda. Puis mon frère travaille comme déneigeur l'hiver dans la neige. C'est la compagnie de déneigement. Alors, ça se peut que plus qu'on avance vers Noël, plus qu'il y a de la neige. 100%. Donc, souvent, il ne peut pas être là à Noël. Donc là, ça aurait été vraiment plate que cette année, on est ici pour Noël. Depuis 2018, on n'a pas été là. Puis que mon frère n'est pas là, tu sais. Oui. Alors, on fait ça ce soir. Donc là, on va aller acheter des petits cadeaux pour les neveux, des petits cadeaux pour mon père, ma belle-mère, mon frère, des petites pensées. J'aime ça faire, pas besoin d'être des gros cadeaux, mais juste pour dire que j'ai une petite pensée pour eux. Puis c'est ça, on va aller acheter aussi peut-être des petits pyjamas de Noël, des petits trucs là. Ça commence à être dans l'ambiance, j'adore Noël, oh, c'est yeah. trop le fun. C'est fun. Puis est-ce que toi tu aimes Noël, Tyson? Oui? Hey Ty, j'ai quelque chose de spécial à te demander. Quoi? Quoi? Cette semaine, Tyson il m'a dit « Maman, je sais maintenant compter en français. » Oh. J'ai dit « Pour vrai? Est-ce que tu veux le faire? » Come on! T'étais très bon, tu viens de le faire. Tu viens de le faire, là. Laisse faire la caméra, là. Tu viens de le faire, là, 5 minutes. Come on, on va le faire ensemble. Non. Tu veux pas? C'est fine. OK. Ensemble, OK? 1, 2, 3. Ah ouais, let's go! Y'a personne te regarde. Personne te regarde. Yeah, y'a personne là, là. OK, go. 1. Ensemble. 2. Come on. Tu veux pas? 1, 2. Ça serait cool, là. Je suis certain que tu vas. Ok, fine. Okay, vas-y. Do it all together. Okay. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Bravo! Yeah! Wouhou! Tape dans la main de tous les abonnés. Ils vont être contents, ils vont taper avec toi. Go! Ah, c'était fort, ça! Je vais commencer mon cellulaire. Merci, Ty. T'es tellement adorable. T'es vraiment cute. Bravo, mon amour. Ah, t'es suivi mes becs, mon Tana. Bon, mais c'est quoi à chaque jour qu'on voit un cheval à la commande de l'auto au Tim Horton? Wow! Ah, il est parti!
D'après moi, le cheval, il était fatigué, il voulait un café un matin, so... il a besoin de son petit boost pour partir bien la journée. C'est sa voiture, alors elle prend son cheval, elle n'a pas de voiture, elle vient avec son cheval. C'est parfait. On a des enfants impatients à ouvrir leur cadeau ici. Checkez ça. Wow. Ils sont bien, bien calmes. On s'en crie là deux secondes. Wow! C'est cool ça! Vous êtes gâtés pour lui? Wow! Qui t'a donné ça? Regardez les boîtes! Hein? Qui t'a donné ça, Tai Tai? Tyson? Qui t'a donné ça? Wow! Zach, c'était pour ta fête aussi. Donc, là, c'est pour toi, là. C'est cool, là. Vous êtes contents, boys? Nice. Wow, ça, c'est cool, ça. C'est un volcan. Une lumière. Ben oui. C'est full c'est sensoriel, ça. Ça me fait vraiment penser à toi. Ouais, t'as bien fait. I'm rich. Zach, t'es un tripeur de toutou. Merci. Hey, de rien, Zachou, ça fait plaisir. You happy, big boy? T'es content? On va le regarder après. Juste un? C'est du chocolat, je pense. Ça, c'est une petite carte. Shit! Attends, c'est big! Non. C'est big! Les cappuccinos glacés que tu peux plus prendre. Pour boire un café noir. C'est vrai. Tu peux commencer. Jamais trop tard. Oh, chocolat! C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Oh, on est riche. Ça serait le fun de gagner une couple de millions. Oh wow, ça sent-tu bon? Ah, avec un papillon aussi, wow. Tu peux sentir? Ben oui, ça sent full bon. Oh wow, ça sent vraiment bon. Should we open it? Smells good, huh, buddy? Ah! Oh wow! C'est beau ça! Qu'est-ce que tu veux toi, tu me watch? Hein, tu me check? Hein, Montana? On a un enfant heureux ici, avec ses toutous de manettes. Hein, Zachou? T'es content avec tes manettes, hein? Bon, mais checkez ça, les amis. On est revenu de la fiesta de Noël. Puis on a ramené un petit lutin avec nous. Thomas fait dodo à la maison avec nous. C'est cool, hein, les boys? Yeah. Votre cousin est là. Check Stella, elle veut se coller avec son Thomas. Oui, les boys y attendent. Un live event sur Fortnite. Oh, yeah. Ça s'amuse dans le campeur. Eh oui, t'es une petite folle, Stella. Bon, alors là, ce matin, on s'en va mettre du diesel parce qu'on s'est fait jouer un tour encore. Ah, babe? Oh, yeah. Oh, boy, on a oublié de fermer les tiroirs aussi. Oh, oh, je reviens. Si on roule puis on oublie de fermer les tiroirs avec ça, c'est ça qui arrive.
Salut, fan à cool! Yep, bye bye! Yep, bye bye! Ça va pas bien? Ok, tout est bien fermé. Good! Bon, ce que je disais, c'est qu'on est parti parce que là, ce matin, on s'est fait avoir, hein? On n'avait plus de diesel pour notre chauffage. C'était frisqué. Il faisait froid. Il faisait froid cette nuit. Au moins, c'était pas une vraiment froide nuit. C'était une nuit très froide. On dit pas une nuit. On dit une nuit très froide. C'était pas si pire cette nuit. Mais quand même, on s'est réveillé un matin, puis. C'était froid. Hier, on s'est couché, c'était chaud, puis là, c'était froid ce matin. Puis, il y en a qui nous demandaient, est-ce que ça tient bien, le sapin, quand vous voulez? Ben oui, regardez, en masse d'espace, là, ça cache pas la vue à Tim. Parce que c'est, regardez là, moi, c'est vraiment à l'autre côté, mais c'est vraiment mince, il est mince, alors ça cache pas la vue. Puis, on a notre beau Thomas qui fait la route avec nous, qui a fait des beaux dodos avec nous autres, c'est cool. Hein, Stella? C'est coquine. Ouais? Regardez toute la neige qu'il y a aujourd'hui, c'est tellement beau, mais oh bye bye. Je pense qu'il est vraiment temps qu'on s'en aille très bientôt. Il faut partir bientôt parce que là c'est sûr qu'on n'a pas froid. Oui, t'as. On n'a pas froid dans Freedom, mais ça reste que c'est pas très très bon, c'est pas l'idéal là. D'être dans la neige comme ça. Donc là, tantôt, Tim, il va falloir qu'il déneige tout le toit quand il va revenir de travailler parce que il y a vraiment beaucoup de neige. C'est pas bon pour le toit, c'est sûr et certain. Donc on va enlever ça tantôt. Puis, ouais, la neige. Je suis en pyjama ce matin. Oh là là! On a un petit problème avec nos marches. Regardez la glace en dessous. Les marches, les escaliers. En fait, ils ne fonctionnent plus là, depuis un petit temps. Ça fait ça depuis quelques semaines là, que les marches ils sortent, ils restent coincés. Ça ne sort pas tout le temps. Alors, d'après moi, il y a quelque chose avec le mécanisme du moteur de les marches. Alors, il va falloir faire checker ça, c'est sûr et certain. Hey, c'est glacé, hein? Et là, l'aïe. OK, mon amour. T'es prête à braver le froid? Let's go! Qu'est-ce qu'on s'en va faire, mon petit amoureux? Water. On s'en va mettre de l'eau. Agua. Parce que j'ai pas de pu l'eau. Faire la vaisselle. Êtes-vous prêt à voir... Il n'y a plus d'eau. Excusez si je vous aveugle. Non, mais êtes-vous prêt à voir la vaisselle que j'ai pas pu faire parce qu'il y avait plus d'eau? La réalité, c'est pas toujours tout parfait puis tout beau, là. Non, 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 non. J'aime non. pas ça, Tim, non plus. Mais... Puis là, j'ai parti de campeur parce qu'il fait très froid de ce temps-ci, les derniers 2-3 jours, là, du moins 15. Ouais. So, j'ai parti de campeur, tu sais, question de le réchauffer un peu, faire en sorte que le machin roule un peu. Puis là, on s'en va mettre de l'eau dans le campeur parce qu'il a manqué d'eau. Go! J'ai mis mes petits gants. Oh là là! Au moins, les marches, ils ont sorti, ils sortaient plus. C'était ça, nos marches. Oh là là! Regardez la glace. Oh, adios! C'est comme... Honnêtement, ça me stresse. Je suis stressée que... J'espère qu'on va être capable de repartir avec Freedom. Hein? Regardez ça! Il la laille! C'est bon. You, Tim! Ah! Je cherchais! Ouh. Alors... Un peu d'eau. OK. On sort la hose. Il n'y a pas de danger que comme l'eau gèle dans le récipient? Ben, c'était ça notre inquiétude, mais tu sais, on garde le tuyau ouvert. Non, mais l'eau dans le... Non, que l'eau reste... L'eau que tu remplis, là? L'eau, non, mais à cause que Jérémy, il a passé un chauffage qui vient sur
le bassin d'eau. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit, regarde. Il faudrait que tu me le montres parce que j'ai jamais vu ça. Je me posais cette question-là. Un chauffage, ça, c'est du chauffage. Ah! Ben, ça chauffe pas. Ben oui, ça chauffe. Pour aller le mettre à main. T'es sûr? Ben oui. Ah oui! OK. Ouais. Ah! Fait que ça tient... Ouais, ça le tient tiède. Ouais, c'est ça. Vois? Ouais, c'est pas froid, c'est pas gelé. Pas chaud, chaud, mais c'est pas fou. Tu sais, c'est comme un petit frisquet, là, comme un petit eau du frigo, mettons. Ouais. Mais même pas. Ça fait la job, là. Ça garde quand même. Ah, wow! OK, je savais pas. Ça l'évite de geler. Ouais. Est-ce que je peux le refermer? Ben laisse-le ouvert, c'est pas grave. Mais pourquoi? Ça va garder le froid? Bon, ben ferme-le. C'est? OK, puis ça, la hose, c'est fait exprès? C'est pour ça que c'est mou? Ouais, mais ça, c'est une hose qui... Je peux voir. Genre, quand il n'y a pas d'eau dedans, elle shrink. Ah, quand elle revient. Quand il y a de l'eau dedans, elle vient plus longue. Ah, elle rapetisse. Elle rapetisse. Okay. Un peu... On dirait un serpent. Un serpent ou quelque chose d'autre. Ah! OK. Voilà. On va attacher ça à ti. OK. Ah, j'ai froid. Attends. Serpent. Wow, je suis poignée. Regardez comment c'est beau chez les voisins. On est vraiment dans la forêt, là, hein, ici. T'sais, on voit un peu les maisons derrière, mais normalement, l'été, ça a l'air qu'on voit même pas les maisons. Non. OK. Ça en va là. Mais là, tu l'as pas mis encore dedans, Tim. Non, OK. Ça, reste là. Ça sent par en haut. Oh my God. Oh là là! On n'est pas fait pour être en hiver avec un motorisé, là, hein? Non. Seigneur! J'ai hâte de partir, là. C'est trop froid, là, hein? Ouais. C'est trop froid, puis c'est pas pratique. Non. Ma crainte est qu'on peut pas fermer le slide. J'ai vraiment peur. Mais, dans le fond... Mm-hmm. On va enlever les blocs de glace là, quand ça soit temps de le fermer, ce slide. Ouais, on va faire ça en premier, ben oui. Ben oui. Je me montre même pas, ben je suis pas capable avec mon bras puis ma mitaine, mais coucou! Ouais, on va enlever les cubes de glace. Ben oui, on n'aura pas le choix. Mais... On va cogner dessus, il va s'enlever. Ouais. Il annonce moins froid vers la fin de la semaine puis okay. En fin de semaine. So anyway, on n'a pas besoin de fermer le slide. De toute façon, il faut aller mettre du diesel pour le chauffage en fin de semaine. Dimanche. Samedi, rappelle-toi, parce que la semaine passée, on s'est fait poigner. Ouais. D'habitude, on y va chaque dimanche, mais là, parce qu'on fait beaucoup marcher le chauffage, à cause qu'il fait froid, samedi, il n'y en avait plus. Samedi, la nuit. Alors, samedi, ce serait mieux qu'on aille samedi, le remplir. Samedi, on va y aller. Même que, tu sais, on pourrait le faire le vendredi soir pour être sûr d'être correct pour notre fin de semaine. Ouais. Vaut mieux qu'il en aille, tu sais, qu'on retourne puis qu'on est à sec. 100%. On pourrait aller vendredi soir. Même Dave, il m'a dit qu'il y avait... Dave, ici? Dave Vendant. Il m'a dit qu'il y avait un gros bidon de gaz. OK. Avec une manivelle. Une quoi? Tu sais, une pompe, genre un gun. OK. Peut-être qu'on serait capable d'aller le remplir. On ne serait même pas obligé de bouger Freedom. On va voir les conditions, on va voir si ça vaut la peine. Ça peut être bon de le rouler, mais en même temps, la dernière fois, on a eu de la difficulté à rentrer dans l'entrée parce que ça spinait, les roues, ils spinaient dans le vide. Hein, babe? C'est le monde. Ouais, on est rendu amis avec les voisins, là. C'est le monde, sûrement, pourquoi le campagne est parti. Bien, on fait partir un peu. Mais ouais, on avait la misère à rentrer dans l'entrée, B, la dernière fois. Ouais. Mais ça? Ouais. Vraiment, là. Ben, parce que moi, je pense que s'il y a encore beaucoup de neige comme ça en fin de semaine, on va aller acheter du sable.
sable. Puis on va le mettre dans l'entrée avant de monter. Ah, ou du sel? Non, du sel, ça tue le... C'est pas bon. Du sable, c'est meilleur pour les entrées. OK. Bon, on a pour 15 minutes à attendre. Je vais mettre un timer, puis je vais sortir dans 15 minutes. Tu veux pas qu'on attend 15 minutes ici? Non. OK. Alors, merci encore une fois d'avoir été présent pour cette vidéo. il manque des bouts dans cette vidéo. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit sur Instagram, sur Facebook pour savoir « Hey, comment ça qu'on n'a pas notre vidéo? Comment ça que vous êtes pas... La vidéo n'a pas été mise en ligne sur YouTube? » Eh bien, comme j'avais expliqué dans mes stories pour ceux qui sont justement sur Instagram et Facebook, c'est que j'avais filmé des bouts de vidéos quand Tim travaille à l'extérieur. Des fois, j'aime vous montrer mon quotidien avec les garçons, même si Tim n'est pas là. Puis avec mon cellulaire, j'ai filmé des moments avec les garçons de mon cell. Ce qui est arrivé, c'est que quand Tim a voulu les exporter, c'est ça? De son téléphone à la plateforme d'éditage. Sur l'ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Alors non. Là, Tim il est arrivé tard de travailler. Il essayait de finir la vidéo, ce qui manquait dans les bouts qu'on avait filmé, ça ne fonctionnait pas. Alors, il a essayé pendant quelques jours, puis on n'est pas capable de remettre ces vidéos-là. Donc, on n'est pas capable de les exporter de mon téléphone. Normalement, on filme avec celui à Tim. Avant, on avait une caméra GoPro. Puis là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec notre caméra. Alors, bon, pour l'instant, ça fonctionne quand même bien avec le téléphone à Tim. Puis, on va continuer avec ça pour le moment. À part quand on veut exporter ou importer des vidéos de notre téléphone. Mais du mien, en fait. Ben, même le mien, des fois, ça prend un peu de temps avant qu'il se mette au cloud. Ah, tu vois, c'est comme même cette vidéo-là qu'on est en train de filmer. Ouais. Il faut que j'attends qu'il se download dans le cloud. Ah. C'est vraiment bizarre, là, mais j'ai hâte d'avoir une belle caméra pour être capable de vloguer un peu plus facilement. Si on voit Jérémy puis Charlotte prochainement, peut-être qu'ils vont pouvoir t'aider avec ça. Jérémy pourrait peut-être t'aider. Tu sais, lui, il a plus d'expérience dans les vlogs que nous. C'est clair. Alors, bref, merci de votre compréhension. On s'excuse de ne pas avoir eu la chance de mettre notre vidéo. On tient vraiment à être constant. On était très occupés avec la vie, avec le travail, avec juste toutes les choses qu'on a à faire dans notre quotidien. Tim, il travaille énormément. Là. Ouais. Bravo à toi, mon amour, de continuer à faire les vlogs malgré la fatigue et tout. Parce qu'il part à 5h30 le matin, il se lève à 4h40. Et il revient souvent vers 18h le soir. Donc, après ça, c'est le souper, les enfants. Exactement. Fait beaucoup de traveling, des grosses journées. On a notre business aussi, hein, tu ne faut pas oublier, nos coachings. Donc, de faire en plus les vlogs, c'est déjà beaucoup, puis ça nous fait plaisir, puis on veut continuer à le faire, on veut 100%. Continuer à être constant. Donc, on trouvait ça vraiment plate, vraiment poche la semaine passée qu'on n'a pas pu mettre notre vidéo. Ça devient fâchant hein, quand tu essaies de... Tu sais, tu prends du bon temps pour pouvoir filmer. Moi, je suis toute contente. Tim, j'ai fait du contenu aujourd'hui avec les enfants. J'ai été dehors, on a fait telle chose. Puis là, ben boum, pas capable de le exporter. Ouais. Importer, exporter, je sais pas comment tu le dis. Bref, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie, j'imagine, du travail de 100%. L'informatique avec les vlogs. C'est pas grave, mais là, vous voyez que notre décor est différent, hein? Oh, yes! Là, ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez quand même la chance de voir des choses, des moments de plus, parce que 100%. Je mets quand même beaucoup de stories. Mais on est dans un beau chalet en ce moment. À Saint-Côme, puis ça va être notre prochain vlog la semaine prochaine. On a déjà plein de contenu, puis Tim a déjà quasiment fini de le monter. Vraiment, ouais. Là, je me suis pris d'avance, puis j'ai travaillé beaucoup dessus. Ouais, mais puis en même temps, on n'a pas pris avec mon sel. Non, ça aussi. Non plus. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais non, que dans le fond, le vlog, il va être plus court. D'habitude, on fait des vlogs de 35-40 minutes, même 50 minutes. Ouais. Puis c'est pour ça que le vlog qu'on est en train de finaliser là, il va être un peu plus court. On a 4 minutes de fait, là. Ah, bon, mais c'est bon. Ça va rajouter un 4 minutes. Il va être environ 25 minutes, là, le vlog. Mais c'est la vie, mais là. C'est la vie, puis on a vraiment hâte de vous montrer qu'est-ce qu'on a dans la prochaine vous semaine. Vous allez adorer le chalet. C'est incroyable. On est tellement heureux de cette abondance. Tellement un bon temps. Ah. C'était supposé être juste une fin de semaine. On a étiré ça à une semaine. Peut-être même l'autre fin de semaine. Peut-être même l'autre fin de semaine. So. Ça nous fait du bien parce que, tu sais, en étant nomade, dans le motorisé,
Tim qui part travailler. Moi, je suis comme coincée avec les enfants dans le motorisé. J'ai pas de voiture, donc ça me donne pas beaucoup d'options. Puis, tu sais, on a hâte de partir sur nos aventures. Donc, je trouvais que ça tombait au parfait moment. C'était pas prévu. Et c'est des amis à nous qui sont nos clients. Dans le fond, c'est nos clients de notre programme de parentalité qui sont devenus des amis à nous, qui nous ont proposé de venir dans le chalet. Donc, on est super heureux d'être ici. C'est magnifique. Puis, tu sais, c'est rien n'arrive pour rien, donc je trouve que ça tombait dans un parfait moment. On est même surpris que le chalet n'a pas été loué dans le temps des fêtes comme ça. C'est quasiment, c'est vraiment impressionnant parce que le chalet, il est magnifique. Là. C'est vraiment, vraiment bien. En face d'une pente de ski, vous allez adorer. On a hâte de vous montrer. Tellement, tellement. Donc, on vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre compréhension et merci d'avoir été là encore une fois. On vous aime beaucoup, puis on se voit bientôt. Ciao, guys. Bye. Bye.